Alors bonjour à tous, Mathieu Baudouin, agriculteur à Évry-Grigny en Seine-et-Marne, à côté de Melun, sur une exploitation de polyculture céréales et betteraves, donc à grande majorité blé. Donc là en ce moment, nous avons quand même de grosses problématiques, on va dire, en termes de grandes cultures, encore plus sur les oléagineux, qui est les fameux contrats que l'État français veut passer avec la Malaisie pour l'huile de palme. Donc il faut savoir que l'huile de palme est quand même une plante qui est... on va dire presque toxique, hein, parce que indirectement avant c'était dans les espaces boisés. Vu qu'il y a de plus en plus de demandes d'huile de palme qui est incorporée déjà dans de l'aliment, de plus en plus de fabricants d'aliments l'incorporent dans les produits parce que ça coûte moins cher que de mettre de l'huile de colza, de l'huile de tournesol ou dans certains autres produits de l'huile d'olive. Donc du coup, vu que c'est un peu l'huile de substitution à plein d'autres produits, on va dire un peu plus onéreux, maintenant tout le monde veut partir dedans, dont Total très récemment qui a fait un contrat du coup avec l'État. Avec sa raffinerie de la Med donc dans le sud de la France qui elle pour le coup va incorporer 500 000 tonnes d'huile de palme pour faire du biodiester, mais en fait c'est pas du biodiester, c'est y a pas vraiment de mots pour décrire la chose, parce que nous aujourd'hui en Europe il y a eu quand même la volonté il y a une quinzaine d'années voire peut-être même 20 ans de développer justement du biodiesel, du diesel moins polluant, ce qui est vrai aujourd'hui quand même. Et ce qui a fait dynamiser une filière oléagineuse, que ce soit du colza, du tournesol, du lin oléagineux, voilà, il y a eu quand même un gros développement sur l'oléo, qui fait que bah, demain, aujourd'hui, l'agriculteur vend son colza à un prix quand même qui est très intéressant, grâce à cette filière-là. Donc demain, si l'État français... on va dire, veut vraiment retirer toute cette filière-là qui marche très bien aujourd'hui, parce que du fait que bah voilà, le colza peut aussi servir en biocarburant, qui peut être incorporé dans un diesel, ce qui fait qu'un prix, on va dire, est assez haut et maintenu, que si vraiment demain on ferme nos usines, que ce soit de l'éthanol bien entendu, ou des usines de diester, et bah malheureusement c'est une filière qui va tomber par terre. Qui fait que bah, aujourd'hui on est quasiment autonome en aliment du bétail, on va dire, sur tout ce qui est tourteau ou autre par rapport à l'incorporation ou la consommation des éleveurs. On est en autonomie quasiment à 55% et on tomberait, je crois, à 15-20%. Donc 15-20% au lieu de 55%, ce qui ferait que nous, on faudrait que derrière, les éleveurs importent encore plus de produits type du soja, qui est bien entendu OGM, mais qui vient pas de France, pas totalement. Donc voilà, nous on veut vraiment savoir ce que, en tout cas nous la profession, on cherche vraiment à savoir ce que veut l'État, ce qu'ils veulent faire de nous, notre agriculture, parce que bon, il y a l'huile de palme, il y a eu le vote il y a 3 semaines, 1 mois, de l'interdiction des néonicotinoïdes, donc sur les céréales, mais plus problématique qui sera sur les betteraves et le maïs, qui aujourd'hui on voit bien qu'il n'y a aucune solution technique, que ce soit agronomique ou on va dire d'utilisation. Avant on incorporait sur le rayon des produits, tout ça malheureusement aujourd'hui c'est quasiment interdit totalement. Donc nous on veut vraiment savoir ce que l'État veut faire de notre profession, parce que c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions. Déjà au fur et à mesure on étudie beaucoup les assolements, donc maintenant comment ça va se passer demain si on ne fait plus de colza, si on ne fait plus de betterave. Donc c'est quand même deux très bonnes têtes de rotation quand même sur les exploitations, qui permet derrière de faire un très bon blé. Donc maintenant c'est un peu la question, on nage un peu dans le flou, c'est presque, on va dire, un coup de couteau dans le dos du président Macron, de Nicolas Hulot. Bon, ce qui est bien c'est que Nicolas Hulot, ministre de l'environnement depuis un an au gouvernement, a dit que, bon, c'est pas la première fois qu'il le dit, mais ça se trouve, il va partir au mois de juillet, après le vote d'interdiction du glyphosate, après le vote d'interdiction des néonicotinoïdes, après des contrats d'huile de palme. Donc ce qui est bien, c'est qu'il aura en un an temps mis l'agriculture par terre, surtout si ça continue comme ça. Donc c'est bien, c'est qu'au bout d'un an, au final, le président Macron voulait une agriculture française forte, à l'échelon européen et à l'échelon mondial. Bon, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on est le deuxième exportateur de blé derrière la Russie, sauf qu'avec tous les moyens techniques et autres qu'on nous retire, où sera la place de l'agriculture française ?